J'ai soit la type 7, soit la type 8, soit la type 9. Madame, c'est pas les types qu'on cherche, c'est l'argent, hein. C'est combien? La type 9, elle est entre 2500 et 2600. Non, type 7, c'est bien. Et la type 7, 3450, Non, 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 pas type 7. Ouais, elle a révélé de l'argent comme ça. C'est malade, elle. C'est malade, elle. Il y a un document disant qu'on est libre. Du coup, par rapport à Djibril, t'as des infos? Djibril, il est mort. Je sais pas comment, il est mort. Moi, j'ai quelque chose à rajouter, là. J'ai entendu dire qu'il y a poulet, c'est les morts. Moi, je vais pas mentir, je sais pas quelqu'un d'hypocrisie. Anna, je m'en bats les couilles. Sortez-le, lâche-moi. Ouais, vous inquiétez pas, on va bien s'occuper de lui. Lui qui vient pendant les enterrements, il vient. Et alors, il a raison. C'est pas un délit, c'est pas un crime. Je vous ramène aussi. Et ramène-nous, je m'en bats les couilles. Vous allez voir ce que je vous ferme. On va m'encercler de caméra, allez, à quoi? J'appuie sur le bouton et je les éteins. Ah ouais? Salut, juste pour vous dire qu'on a reset la whitelist du serveur. Ça veut dire qu'en gros toutes les personnes qui avaient été refusées définitivement de la whitelist peuvent retenter leur chance. Et même les nouvelles personnes qui veulent essayer un petit peu ce serveur. N'hésitez pas, le lien du Discord est en description. C'est mardi, à tout de suite. Hello. Ouais. Ça va quoi? Ça va quoi? Tranquille, et toi? Ouais, ça va, ça fait quoi? Ça, bah écoute, on est en train de gratter de l'argent ici à la pizzeria. En train de gratter de l'argent? Ouais, tu sais, on a pris notre service, il y a le patron qui est là, il va nous payer, il nous a dit. Ah ouais, putain, moi j'ai rien vendu. T'inquiète, au pire, on a vendu à 3, qu'est-ce que tu veux dire? T'es avec qui? T'es avec Aziz là? Ouais, on est avec Aziz. Vas-y, viens, rejoins-nous. Vas-y, j'arrive. A tout de suite. Salam alaikum. Oh, Aziz, ça va ou quoi? Ça va, mon khoyadek. Hamdoulilah, ça fait quoi? Eh, on fait le concours avec Brahim de la pizzeria. Il y a les patrons, ils vont nous donner la paye. Fort. Vas-y, bah j'arrive alors. Je trouve une voiture et je me ramène. Allez, bismillah. Vas-y, à tout de suite. À tout. Allez, du premier coup. S'il te plaît. Fais pas la radine là. Yes. Alors là, ça fait plaisir. Ouais. Quoi? Ça va quoi? Allez, ça va et toi? Raconte quoi? Bah écoute, on est en train de servir à gauche à droite, on va recevoir sa paye et on va pouvoir s'acheter ce qu'on veut quoi. Que vous voulez chez le procureur quand même? On lui a dit 50$ le client, si tu ramènes un client. Monsieur le procureur, lui il est proc lui. Je vais préparer la pire pizza, je vais cracher dedans, bougez pas. Non. Bonsoir monsieur le procureur. Bonsoir monsieur. Installez-vous, mettez-vous à l'aise. Vous voulez pas une table plutôt celle-là, c'est ma préférée, celle-là ou quoi? Ou quoi? Ah ouais, elle est superbe celle-là. Vous faites confiance alors, celle-là. Bien sûr, allez-y, ben oui. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous ferait plaisir monsieur le procureur? Une margarita, c'est possible? Bien sûr. Si, grazie mille, Brian O. T'en as ramené 4. Dis-moi Bambino là, qu'est-ce qui t'arrive toi? J'ai la margarita, c'est bon, j'ai la margarita. C'est pour le procureur. C'est les enfants qui m'ont dit. Recette spéciale. Ah putain. Aussi, tu la connais celle-là. Et voilà, monsieur le procureur. Avec le plus grand des plaisirs. Salam alaikum. Alaikum salam. Et voilà. Merci beaucoup. Bah, je vous en prie. Celle-là, c'est cadeau, c'est moi qui vous l'offre en plus. Hein. Alors, il y a des clients qui sont. Eh oui. C'est gentil, non, je vous dois combien? Bon, allez, 50$, on n'en parle plus, c'est bon. Ouais. Comment ça, on n'en parle plus? Ah, 50$. Bah oui, 50$, d'accord, monsieur. Parfait. Non, mais genre, je me suis cru à capter au Maroc, quoi. Je suis en train de négocier le pizza. C'est quoi votre nom, monsieur? Comme ça, je mets un truc sur la Monsieur Duncan. Duncan, ok. Vous avez un petit numéro si jamais je suis dans la merde, quoi? Alors, je suis pas avocat, donc je pourrais pas vous défendre, malheureusement. Eh merde, ah ouais, c'est vrai, c'est le procureur. Eh oui. Putain, c'est quoi votre rôle à vous? Justement, c'est de poursuivre. Je suis justement le méchant, donc bon. Ah, vous êtes le méchant? Oui, effectivement. Et merde. Alors, si vous faites pas de bêtises, ça devrait aller. Non, moi je fais pas de bêtises, jamais de la vie. Jamais. Alors, si vous faites pas attraper. Non, c'est monsieur Duncan. Ok, bah enchanté, monsieur Duncan. Bah, faites attention à vous. Mangez bien la pizza, elle est super bonne. Bah, je vais la prendre en portée. J'ai mis un ingrédient secret, mais ça reste entre nous, d'accord? Pas mal de boulot. Comment? J'ai mis un ingrédient secret. Mm-hmm. J'ai mis de l'origan. Ah. C'est pour rehausser un petit peu les saveurs. De si vous me parliez de quelque chose d'illégal. Ah non. Ah moi je suis clean, je vais sortir de prison, je peux pas faire des trucs bizarres. Hein. Sortir de prison, bah c'est bien, vous avez trouvé votre travail. Alhamdoulilah, ouais, on essaie de se maintenir à flot, comme on dit. Hein. Non, mais c'est bien, parce que c'est pas évident de trouver un travail avec un casier judiciaire. Ouais, mais ce qui est chiant, c'est qu'on m'a retiré le PPA et on m'a dit c'est mort pour le repasser. Moi, de base, j'ai toujours une arme sur moi, et là, c'est chiant. Ah, malheureusement, c'est le prêt à payer. Vous avez pas un petit tuyau? Ah non. Même pas un petit tuyau. Je suis désolé, mais non, allez voir le SPD, faites tour du charme si vous voulez, mais ça marche pas sur moi, malheureusement. Ah ouais, putain. Vous avez le PPA, vous? Non. Sérieux? Vous faites comment en cas de pépin? Je sais pas. Ouais, c'est ça le truc. Bah, si jamais vous avez un pépin, vous m'appelez, d'accord? Quoi? Je fais garde du corps si j'y penserai, j'y penserai. C'est 666. C'est facile à retenir. Ouais. C'était des 6. Ouais, que des 6. Bon, bah écoutez, je vais pas vous prendre plus de temps que ça. Non, tranquille, monsieur Duncan. Allez, prenez soin de vous, bisous. Bonne soirée, au revoir. T'as vraiment gentil. Roya! T'as pris quoi? Non, quoi, Aziz? Salam, alaikum, Roya. Ça va, mon frère? Alhamdoulilah, je viens de cracher dans la pizza du proc. Ouais, mais moi, je l'ai fait tout à l'heure. Tu dis que j'ai mis de l'origan? Non, mais tranquille, c'est un. Moi, je l'ai fait pour des policiers, moi. Oh, bien joué, ça. Il a dit qu'elle était bonne. Il a dit qu'elle était magnifique. Attends, on a un problème. C'est bien.
Bon, j'arrive. Si vous avez des soucis, monsieur, je suis là, pas de soucis. 10 minutes, on a les 3, d'accord. Les 3 quoi? Les 3 camps d'arrêt. Mais ouais, nous, ouais. On veut des flingues, nous. Oui, mais ça y a pas. La dernière fois, bon, t'étais enfermé là. T'es fatigué, pas, quoi, c'était malade. On a fait, je ne sais combien de personnes, ils nous cassent les couilles, ils nous sortent les mêmes phrases. C'est des denrées rares. On a dit, on s'en bat les couilles. Donne-nous, attends, on parle de cartes Pokémon ou d'armes là? Sûr, j'ai l'impression que c'est des cartes Yu-Gi-Oh ou des cartes Pokémon. Attends, j'appelle le gitan. Et ça avance, Gibril ou quoi? C'est renseigné, ils nous disent, ouais, on va vous présenter quelqu'un qui connaît. Non, y a personne. Attends, y'a Riyad qui m'a appelé. Riyad, c'est le responsable du Beniz, c'est lui apparemment, il connaissait du bruit. Oui, ça va, tu m'as dit. Ouais, Riyad, ça va? Offert. Oui, bonjour. Ouais, ça va? C'est Dick. DiCaprio, comment tu vas? DiCaprio? Ouais, non, on se connaît pas vraiment, mais en gros, disons que je suis un meilleur pote à Djibril Salah. Tu connais Djibril? Ah oui, Djibril, oui. Ouais, et en fait, on m'a dit qu'il y avait que toi au Beniz qui le connaissait. Parce que, genre, entre temps, t'as vu, les employés, ils ont été virés, ils ont changé, etc. Ouais, il y a à peu près que moi, ouais. Ok, et j'aimerais savoir, genre, il est devenu quoi, Djibril? Parce que j'ai pas de nouvelles de lui. Genre, en gros, je t'explique, moi, j'étais au Hap, je suis en prison, et venait nous voir, etc., moi et un pote, et là, ça faisait, genre, 2 mois, il est pas venu nous voir. Et j'aimerais savoir, genre, ce qu'il en est. En fait, il est parti avec sa femme en Espagne, apparemment. Ah, mais qui t'a dit ça? Ben, j'ai vu sur des photos sur Zouk. Sur quoi? Zouk. Zouk? Ah, Zoup. Ah oui, pardon. Oui, ah, il est parti en Espagne? Oh, ok, mais attends, mais pourquoi il nous l'a pas dit? Parce que nous, on se voyait tout. Il me l'a pas dit aussi, parce que tu sais, j'étais dans sa classe au collège aussi, il me l'a pas dit. Ouais. Mais c'est un chien, pourquoi il prévient personne? T'as vu? Ça se fait pas. C'est les meufs, ça c'est les meufs. Hein. Les meufs, ça change les hommes. Les meufs, voilà, donc là, il est parti en Espagne. T'as des photos ou pas? Il avait mis les photos, oui, mais là, ils sont plus parce que ça fait longtemps, ouais. Ok. Ouais. Bon, bah, vas-y, hein. Tant pis, hein. S'il est parti en Espagne, psarto, comme on dit. Hein. Voilà, psarto. Ok, ça marche. Bah, merci, Riyad, c'est gentil, croyant. Bah, de rien. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Vas-y, bonne soirée, bisous. Eh, j'ai gagné 10 000 dollars la dernière fois au casino. T'as vraiment gagné 10 000, tu me donnes ça? J'ai jamais gagné. Putain, c'était merde. Attends, et toi, ton virement de 20 000, il est où? Il est arrivé, t'as raison. Ah. Il avait du retard. Ah non, donc vous me casser les couilles pour 500 dollars après. T'as vu? Pour 500 dollars, il vous casse les couilles. C'est grave. Enlève ton nœud, Brian. Enchanté, monsieur, on s'est pas présenté. Moi, je m'appelle Dick. Et vous êtes qui? Enchanté. Moi, je suis Monsieur Camastra, Salvatore. Je suis responsable au Pizza 10. Ah, ok. Ça marche. J'ai entendu, il y a un Camastra Bank, j'ai entendu aussi. Ouais. Bien, ça, c'est. Camastra Bank, c'est pour le crédit. J'ai vu avec une dame l'aider. Ah, ok. Et vous, monsieur, vous êtes qui? Monsieur Camastra également. Ah, bah, vous êtes la même famille. Oui, c'est le chef de famille. Vous êtes italien, j'imagine, vous n'êtes pas espagnol. Américain d'origine italienne, on est. C'est différent. Ouais, on s'est compris, vous êtes italien. Donc, on va récupérer les couteaux là, c'est ça? Ouais. Ah, faut qu'on s'équipe, messieurs, la ville est dangereuse, hein. Ouais, toujours. Bah, évidemment. Faut qu'on fasse attention. Et vu que nous, le PPA, c'est mort, bah, on a droit qu'au petit couteau. Ah non, le PPA, c'est mort, nous, on sort de prison. On a interdit le PPA, moi. On sort de prison. Ah ouais, on a été bannis. Vous tous, hein. Attends, mais... Ouais. La brochette, là. Il nous a pas prévenu de ça, Vito, putain. Qui? Ah non, Vito, il était pas avec nous en prison, tranquille. Non, mais je sais bien, mais vous embauchez. Après, si. Mais après, vous connaissez, on est innocent, on n'a rien fait. Hein. Bah oui, 13 braquages, c'est pas moi. En vrai, c'est vrai, nous, on a été acquittés. Bah, c'est Brian, on a été acquittés. C'est jamais nous. 13, c'était pas moi. Non, mais nous, pour de vrai, on a été acquittés au bout d'un an et demi. En fait, on a été. On a fait 3 piges, au bout d'un an et demi, on devait être acquittés, mais ils nous ont gardés. Voilà. Manque de preuves et tout. Pas me faire croire qu'au bout de 13 braquages, vous avez pas coffré. C'est moi, les braquages, c'est moi. Moi, j'ai pris 7 ans, ils ont pris 3 ans. Ils sont arrivés, je les ai accueillis, tout ça. Non, les braquages, c'est lui, mais c'est pas lui en fait. C'est lui qui a pris, mais c'est pas lui qui a braqué. C'est lui, mais c'est pas. Ah bah oui, c'était pas moi. Ça semble logique. C'est un mec qui lui ressemblait, qui s'appelait pareil, mais c'était pas vraiment lui. Ouais, il a le même accent, même nez, tout. Pourtant, ouais. En plus, bon, c'est vrai que. Vous êtes parti en prison, monsieur? Moi, non, jamais. Jamais? Ah, quand même, jamais. C'est important sur un CV pour impressionner les meufs. Eh, entre nous, c'est un cliché ou vous êtes tous dans la mafia, les Italiens ici aux États-Unis? C'est un cliché. C'est un cliché, ça. C'est comme les Arabes, parce que c'est tous des braqueurs, c'est un cliché. Ça va, de la chance. Ça, je sais pas. C'est un cliché, hein. Tu t'en sors bien. Eh, il a dit ça, je sais pas. C'est un cliché. Il a fait une transition avec le téléphone incroyable. Ah, on dirait. Genre, c'est pas secret, quoi. J'ai quelqu'un à aller chercher, j'ai des emmerdes. Ouais, vas-y. Bien sûr. Aidez-nous, on vous libère. T'as besoin d'aide? Tu veux qu'on fume des gens? Tu veux qu'on fume des gens? Qu'on se la gueule? Moi, je n'ai que sa mère, hein. C'est bon, j'ai regardé la série des Sopranos, c'est bon, je connais. Tu me dis, je suis là. J'ai quelqu'un à aller chercher à l'aéroport. $1000. À l'aéroport? Oui. J'ai une voiture, si tu veux. C'est ça, là. Vous avez une voiture? Ouais. Ah, ouais. Je suis prêt, si tu veux. Ouais, moi, j'ai un beau 4x4, hein. Vous voyez le 4x4 rouge là-bas, là? Ça fait stylé, hein. S'il vous plaît, je vais vous donner un colis. Ouais. Vous lui donnerez, vous regardez pas ce qu'il y a dedans. Non, jamais de la vie, ça va pas ou quoi? On s'en fout, nous. Nous on fait pizzeria et service après-vente. Et je vous l'ai dit, je vous paierai 1000$ pour la course. Ah, c'est gentil. Tranquille. Vous venez chercher de la part de Monsieur Camastra, d'accord? D'accord. On le ramène ici?
Voilà, vous le ramenez ici. Allez, ça. Et un descriptif de la personne ? Je pourrais pas vous louper. Ah, genre, il a une tête de Gremlins ou quoi ? Non, il a une tête d'Italien. Oh, ah, okay. Bah ça va alors, tranquille. Il est tout seul. Bougez pas, on arrive. C'est ma caisse, viens. Comment ? J'ai volé. Voilà, je t'ai volé. C'est bon. Oh merde ! Ah, je suis désolé. Putain, constat, bah constat du coup. Ah ouais, bah du coup, constat. Et vous demandez, monsieur Mancini. Allez, d'accord, ah ok, moi aussi. Putain, ça... ma caisse! C'est notre patron, t'es le con! Ah merde! Ça va? Je suis désolé, monsieur. Bah, ça va aller, c'est bon. J'ai reculé un peu trop fort, et bon. Pour la ça va, vraiment désolé, hein. Grave, désolé, rien. Désolé. Retirez une prime sur Brian. Allez, à l'intérieur, les autres. Ouais, on veut la prime de Brian. Donc, attends. Pourquoi moi? Mais pourquoi pas toi? Les gars, Babi, il peut nous faire les 3 à 2000$. Mais c'est la même chose que Hamid, il nous fait. C'est plus cher! 1900. Mets-toi sur le côté, mets-toi, Dick, sur le côté. Vas-y, ouvre le carton. Mais t'es fou quoi? Mais il a dit ouvre pas, mais t'es pas curieux, t'as pas envie de savoir? Eh si, mais il va bien voir que l'autre on a ouvert le carton, croyant. Oui, mais essaye de l'ouvrir délicatement, c'est pas délicatement, il y a du scotch double face, il met délicatement, wesh. Truc, je suis David Copperfield ou quoi? Il est chelou lui! Je crois que t'es en prison, tu te débrouillais bien à l'époque. Ouais, y avait pas de double face en prison. T'étais habile de tes mains, non? Ouais, toi t'étais habile avec ta bouche, hein, je m'en rappelle. Attends, je voulais légèrement, ok? Attends, je demande 1700 les 3, c'est bon? Déjà quand tu secoues, c'est mais frère, il y a un manche. Ça fait peur ça. Il y a un manche, regarde, c'est un sextoy. Ah regardez ouais, bien. Attendez, je mets bien. Ok, on fait ça. C'est bon. Oh ouais, c'est vol incroyable. Ah là là. Ouais, il est comme mouk. Ouais, je te les prends sûr. Vas-y. Ah. Combien? Je t'appelle après. Combien de les vends? J'ai après. Roya, 1700 les 3 crans d'arrêt, bismillah. Sérieux? Ouais. Oh, il t'a mis bien là. Ouais, il m'a mis bien. Ah, il est comme mouk, Dick, arrête. Ah, ça va. Putain. Oh, y'a un mec. Bismillah. Oh Mancini! Oh Mancini, c'est toi? Vas-y, monte! On vient de la part des Camastra! Ouais, Tom! Vas-y, viens, on va te chercher, on va te déposer! Ok, t'inquiète! Vas-y, monte, regarde! Ça va ou quoi, Mancini? Ouais! La forme? Je vais parler avec Capizzi, vous connaissez Capizzi? Ouais, c'est quelle pizza ça? Bien sûr! Y'a quoi dans la pizza là? Non, c'est un gars! T'inquiète, on voit qui c'est! Pourquoi y'a quelque chose à Capizzi? Non, y'a rien! Y'a Vito! La pizza? Moi je connais Vito. Est-ce qu'il y a les autres mecs? Il y a Vito? Tom, et Salvatore. Ah oui, Salvatore. Vous avez mangé une pizza? Oui, mais on travaille à la pizzeria. Attends, tu devais lui donner le colis là. Attends, déjà on le dépose. Déjà je me présente, monsieur, je m'appelle Dick. Mon frère à côté c'est Brian. Et derrière c'est Aziz. Salam alaikum. Et on travaille pour la pizzeria des Camastra, ok? En fait, ils nous ont demandé de venir vous chercher parce qu'on avait un très beau véhicule et on conduit super bien, donc on est efficace. Ah bah parfait, merci. Ah, de rien, mon tunis, tranquille. En plus, on fait ça bénévolement, on fait pas ça pour l'argent. Bah oui. Ouais, je me doute. Eh oui. On est sur qui on peut compter, tu sais. Tu viens d'où comme ça? Je viens de. Jure! Liberty City, vous connaissez pas? Bah si, je connais. J'avais un oncle là-bas. Ah, c'est sympa, hein. Mais là, le soleil, c'est plus confortable. Ah, ouais. T'es venu faire quoi ici? Faire un peu les pizzas, etc. Ouais, tranquille, nous, on fait des pizzas, mais. Toi, tu faisais quoi à Liberty City pour venir ici? Moi, je t'ai fait dans un bar. Ah, t'es un flic infiltré. Ça sent, t'as un flic infiltré. Ouais, je sens. Ah, l'odeur des poulets. Mais si, t'as un flic infiltré, dis-le, ça reste entre nous, t'inquiète. Eh, nous, on a le flair pour ça. Mais vous faites des pizzas de base, non? Ah, oui, on fait des pizzas, mais on sort de prison et tu vois, des flics infiltrés, on en connaît. Pourquoi tu sens je les sujets? Au moins 10-15 ans. Non, y'a pas de sujet, y'a pas de verre. Ouais, pizza, j'écoute. Putain, qui a répondu avant moi? Bonsoir, oui. Vas-y, ce connard. Allez, bismillah, j'arrive tout de suite, monsieur. A tout de suite. Attention, le dérapage contrôlé. Ça, c'est un truc spécial Los Santos, hein. Non mais attendez, vous là, vous savez faire la pizza ou? Ouais, on sait faire, ouais. Ok, pizza napolitaine, c'est quoi les ingrédients? Ouah, frère, c'est un napolitain, c'est un gâteau, de quoi tu me parles? Tu crois que je suis tombé dans ton piège ou quoi? C'est bien, napolitain de luxe, oui. Mancini, tiens, je te donne un petit colis. Je sais pas ce qu'il y a dedans, ouais. C'est un colis surprise. Cadeau de bienvenue. Cadeau de bienvenue de la part des Camastra. Cadeau de bienvenue surprise, t'as vu? Ça marche. Vous l'ouvrirez à l'intérieur. Je te prends comme un colis, comme ça je te dépose. En plus, vous avez même pas besoin d'utiliser vos pieds. C'est nous qui utilisons votre place. Là, c'est le déplacement VIP. C'est bon, j'ai le colis. Voilà. C'est bon, il est en état, il est en bon état. On a préféré le porter jusqu'ici, je vais dire. Pas une seule rigueur. Bon, tenez pour vous. Exact. Oh, merci monsieur, c'est très gentil de votre part. C'est quoi votre nom? Salvatore, merci Salvatore. Ouais, l'avocat, ça va quoi? Si je veux comme ça. Savez-vous? Ok, vas-y, c'est toi, tu veux manger quoi? Une margarita, s'il vous plaît. Allez hop, j'arrive, bouge pas. Merci. Ça va sinon, monsieur l'avocat? Ouais, moi ça va super et vous? Enfin, y a pas beaucoup de travail en ce moment, mais ça va. Sérieux? Ouais, honnêtement, ouais. C'est la hasse. Ouais, ça appelle jamais, truc comme ça. Mais bon. Ah, c'est comme on ça, c'est fait. La merde. Bon, monsieur l'avocat, on va récupérer des armes. Parce que nous, on est des mecs dangereux, nous. C'est l'avocat. Ah, d'accord. Non, mais c'est du tout. Hey, l'avocat! Oh, t'es pas au courant? Quoi? Il t'a pas dit par rapport au flic la dernière fois ce qui s'est passé, maître Ray?
Vas-y, annoncez-lui, il va rigoler, Dick. Bah, en gros, toutes les poursuites sont annulées. En... Pourquoi? Parce que c'est un arabe. Parce que... Ouais. Grosso merdo, quoi. Grosso merdo, à peu près, ouais. C'est nickel, que... ça. Exactement. Franchement, ça m'étonne. Franchement, de la part des flics, ça... est-ce que ça m'étonne? Bah, non. C'est parce que je suis un Marocain. J'ai fait 3 piges de. Non, mais ça m'a sorti 50 excuses, là. Par exemple, le fait qu'ils l'ont tabassé parce que ça fait pas partie de la juridiction de l'SPD ou je ne sais quoi. Ouais, ouais, non, bah oui, ici, on est pas à Los Santos, bah oui. On a Babel Web. Exact, je pense que c'est ça, ouais. Bah c'est pas grave, nous aussi on va tabasser des flics et du coup on s'en bat les couilles. Hein. Mais on ouais, ensuite, c'est... Après ils vont dire qu'on est arabe. Ouais. Exactement. Bah, tu seras là pour nous défendre. Là, je pense pour ce soir on aura besoin de toi, maître. Hein. Je pense qu'on va faire des dingueries à la police. Là, à tout moment, et sois disponible. À tout moment, là, tu viens, ton téléphone il sonne. Ça marche, y'a pas de soucis. On va donner du boulot à tout le monde. Allez, maître, à tout à l'heure. Allez, montez. Ah ça y est, faut arrêter maintenant. Ah mais frère, vous êtes pas vif aussi quand je fais une marche arrière, faut monter. Ne vous inquiétez pas, non, c'est entre nous, vous inquiétez pas. Il y a de la sauce tomate partout sous le goudron, on c'est arrive entre messieurs. Nous. Vous inquiétez pas, c'est entre nous. Fils de pive, arrête de faire ça. Eh je t'ai dit, quand on est mis, on chantille bien. Ah mais il faut que t'arrêtes. Oh attends, attends, il y a les flics. Si je leur rentre pas dedans, je m'appelle pas Dick. Ah hey. Faut alors là mon pote. T'as permis ou pas? Hein? Non, même pas. Belle père, mais incroyable, j'ai permis de m'en. Attends, ils étaient là. Ils ont disparu, quoi. Ils sont tournés à gauche, T'es sûr? Tout en... Ouais, enfin, tout au fond, enfin, tout au fond, tout droit, et puis après. Ouais, ma caisse, elle est éclatée. Faut que je vois des caisses plus rapides. Ta caisse? Ouais, ma caisse de location. Mais tu vas finir en cellule ce soir. Bah oui, c'est le but, hein. Ah, la location. Ouais, ils ont disparu. En fait, des infos par rapport à Djibril, ça dit quoi? Ah oui, il est parti en Espagne, apparemment. Il y avait des images de lui qui traînait sur Zoop avec lui et sa meuf. Bah, frère, il est parti. Bah, les couilles de nous, hein. Qu'est-ce que tu fais? Il est parti pour une meuf, hein. Bah frère, ça existe, hein, les pourquoi les gens, ils disent il est mort, là, c'est jalousie, ça, c'est sûr. Mais non, mais non, à ce qui est pareil, il y avait des trucs, des photos de lui sur Zoop, et genre, il est parti en Espagne avec sa meuf. Bah, c'est ce qu'on nous avait dit, hein. Ah bah, alhamdoulilah, je suis content pour vous, hein. Que j'ai vu, vous étiez vraiment acquis, hein. Ah oui, croyant. Mais en fait, ce qui me casse tout, c'est qu'il même pas, il nous a prévenu, quoi, bah les couilles. Ouais, c'est derrière nous, le bolis, derrière nous, le bolis, doucement. Pourquoi? Tourne à gauche. C'est pas pour nous. J'avais pas compris. On a un nouveau sens de destin, mais. On aurait aidé les autres là. C'est la petite dame là, si elle, non? Ah, je sais pas. Ah oui, je crois. Bonsoir, c'est vous? Salam. Que j'ai au téléphone. Si, exact. Salut, ça va quoi? Vous avez... Madame, détendez-vous, voilà. Hein, on est là, tranquille, on dirait que vous êtes un peu en panique là, qu'est-ce qui se passe? Pas du tout, non, tout va bien. Ok, okay. Bah écoutez. C'est juste à côté, hein, donc c'est un peu plus loin. Si vous voulez, on peut se suivre. Hein, et les maisons, vous savez, autour du lac, là. Montez avec nous, allez. On vous invite à monter dans la voiture. Vous avez peur. Vous avez pas confiance en nous? Parce qu'on a un arabe derrière, c'est ça? Toujours. C'est ce que j'allais dire. Eh, j'ai toujours Brian, j'allais le dire. T'as vu les arabes, comment on fait peur, nous? Non, mais tranquille, frère, on n'est pas des guetteurs. Ah, mais comment? Putain. Vas-y, tu vas finir à l'hôpital, toi. Cette maison-là? Ouais, franchement, elle est bien. Ouais, c'est le beau-père, ouais. C'est Mimi. Oui, elle est sympathique. Garage. Et vous êtes dans un bon quartier, là. Vous avez... Justement, on cherche un quartier calme, un quartier beau. Ouais. Est-ce qu'on peut acheter la maisonnetta? Non, on va pas l'acheter. Acheter carrément. La location maisonnetta. Oui, je me disais aussi. Si, est-ce pourquoi, que vous genre, avez on est Paris, choisi c'est ça votre... Ah, pas du tout, c'est pauvres, pas ça, c'est que les... Ah, pas du tout, c'est juste que les clients, généralement, ils aiment bien louer pour essayer la maison avant de l'acheter. Ah ouais, carrément, ils ont cru que c'était une voiture. On va essayer la maison, puis c'est bien, on va la maison. Ah ouais, on va se mettre tout calme à l'intérieur et après on verra. Ah, généralement c'est comme ça que ça se passe. Tu rigoles de mon accent ou quoi? Tu rigoles de mon accent, c'est ça? Tu rigoles pas de mon accent, attention madame. Senior, calmez-vous. Ah, tu viens d'où? Tu viens d'où? J'ai pas fumé, excuse-moi, désolé. Je viens du Mexique, de Tijuana. Ah, Amérique, tu vas jamais deviner. C'est vrai qu'on dirait pas, hein. Si, et vous messieurs? Bah, nous on vient d'ici, hein. Moi j'ai mon origine du Maroc. Casablanca madame. Ah, pas mal, joli là-bas. Ouais, pardon. Oh là là. C'est quand il fait ça, cet enfoiré. Désolé, hein. C'est la cigarette. Ouais, la cigarette, si, il comprend. On prend un coloc ou pas, Dick? Bah oui. Donc on va se prendre sur quelle maison, quoi. Mais t'es fou, toi, hein. De toute manière, on a toujours été coloc, hein, depuis qu'on s'est rencontré. T'as 3 piges de coloc. J'ai soit la type 7, soit la type 8, soit la type 9. Madame, c'est pas les types qu'on cherche, c'est l'argent, hein. C'est combien? La type 9, elle est entre 2500 et 2600. Non, type 7, c'est bien. Et la type 7, 3450. Quoi? Non, pas type 7. Ouais, type 9. Allez, je vous montre le petit type 9, je vous le montre. Du billah, aminichi, t'en es rangé. Vous avez payé moins cher.
Elle a rêvé, elle a dit l'argent comme ça. C'est malade, elle. C'est malade, elle. C'est à l'envers. Cette fois, il y a deux chambres. Là, vous avez évidemment le coin cuisine. Là, bien équipé. Là. Ça sert à rien. Juste à côté, coin séjour. Séjour, salon, séjour. Préfecture, hey, tout ça. Hey. Ah, je suis fier. Ici, hein. Vous avez un petit. Voilà, c'est la chambre de Aziz, ça. Ouais, machine à laver, tout ça, tout ça. Ouais, j'ai mis le tapé, moi, t'inquiète pas. Juste à côté, la salle de bain. Hammam. C'est bien ça. C'est bon, c'est un hammam en vrai. Ouais, il est joli, j'aime bien. Une chambre. C'est pas ma chambre, ça, c'est pas la plus grande, je pense. Il veut la plus grande, ça, c'est ma chambre, là. Ah, t'as vu, la plus grande, il la prend. Nickel. Moi, c'est bon, je prends le clic-clac, moi, t'inquiète pas, j'ai l'habitude. Bah, c'est parfait, ça. C'est parfait, ça vous convient? Ouais, c'est très bien, madame. Eh ben, je vous laisse me suivre alors. Ouais, vas-y, je paye. Non, je paye. Ah, tu vas Allez, vas-y, tu payes. Y'a personne qui insiste, bande de chiens. J'ai insisté. J'ai dit tu payes, j'ai insisté. Ah oui. Le monsieur qui va payer, du coup, est-ce que c'est possible que vous veniez près de moi, juste à ma droite? Ah, il est déjà trop proche de vous. Bah, le truc, c'est que je suis à deux doigts de prendre la porte. Ah, c'est bon, attendez. Combien de clés, du coup? À 3, s'il vous plaît. Ah, je prends la porte. 3, 2, 1, je prends la porte. C'est bon. Bah, je vous ai prévenu, hein. Et ben voilà, c'est tout bon pour moi, monsieur. C'est tout bon. C'est pas tout bon. J'ai un truc à vous. Oui, viens. Communiquer, madame Gonzalez. Il veut la gérer ou quoi? 100$, c'est la poisson numéro. 100$? Ah ouais, mais. 500. Bah après, il va te mentir, fallait rester. Ouais, mais. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ah ouais. C'est long quand même pour un téléphone, hein. Entre nous, il a réussi ou pas, madame? Hein? Il a réussi à prendre votre numéro ou pas? Entre pas du tout. Yes. Nickel. Allez, 500$. Ah, t'es gentil, madame, t'es la meilleure, hein. Reste comme c'est. Allez, Sam. Attends. Bon courage, alors. Merci, Wood le Crab. Allez, salam. Quoi? Sale pute. Oh, le rageux. Attends. Tu sais, je lui dis quoi? Je lui dis... je m'en bats les couilles, hein, tu vois, Dan, mais... Oui, bien sûr. La quoi? Technique. Attends, vu qu'il a pas son numéro, maintenant il m'en bat les couilles. Dis-moi, c'est quoi la technique que t'as fait? T'as fait quoi? Il a bien spécifié au début. Non, mais tranquille, je m'en bats les couilles, Dale. Mais voilà, j'ai essayé au moins, tu vois. Vas-y. C'est quoi la technique? Dis la technique, t'as fait quoi? Je lui dis juste. Si j'ai envie de renouveler le truc, je passe par toi direct. Elle m'a dit, ouais, on peut pas avoir ses clients favoris, nous, il faut appeler la centrale et tout. Je lui dis, mais t'es bête ou quoi? Tu veux pas te faire de l'argent, c'est comment? Elle est vraiment bizarre. Ça se voit, elle est non, frère, elle est carrée, elle est pro, c'est tout. Non, parce que je te jure, on est dans un monde de rats, t'as vu? Non, tu sais pourquoi elle t'a dit non? Parce que t'as pas été cash avec elle, c'est tout. Juste, tu m'intéresses, tu m'as l'air gentil parce que je t'intéresse pas. Moi, c'était un défi avec Aziz. Justement! 500$, donc je m'en bats les couilles d'elle. Justement, je t'en bats les couilles, vraiment? T'as bagaillé, croyez, t'as bagaillé. Fais bagaillage direct. Toi-même, tu l'aurais pas eu, enfoiré. Moi? Bon, il l'aurait eu, c'est sûr. Toi, tu connais pas Aziz, donc il fait la charge. Oui, mais. Un jour, je vais te montrer, mais faut pas le dire à Zaina. Ah, bah, tu sais quoi, viens, on va à la prochaine meuf qu'on croise. C'est qui Zaina? Tu chopes son numéro. Mais c'est ma femme! Oh de la haram, t'es marié toi et tu dragues des meufs? Non, mais c'est juste pour le défi, mais tu dis pas Zaina. Pour le défi, rien que pour le divorce, ouais? Non, Anna, j'aime mon fils, il fait du rap et tout en plus. Ah, ouais, t'es vrai, Issa, moi je sais pas comment il s'appelle là. C'est ça, c'est le meilleur. Ah, allez, c'est la bismillah. Le biscuit est là, attends, je sais pas combien de temps. Mais la bille. Ah, le bon. Hey, ça va, Bobby? Ah, salut Babi! Vraiment désolé pour le retard. Wesh! Hein. Salut Babi! C'est ouais, ça va ou quoi, Babi? C'est toi le gitan? C'est qui? Ouais, bah, c'est dit qu'on se voit enfin, ça fait une semaine, tu voulais me rencard. Ah ouais, c'est vrai! Ouais, non, c'est toi, tu voulais me date. Ça va ou quoi? Ouais, ça va. Et vous, ça dit quoi? Là, c'est Bimo, là, c'est Dick. Là? Non, là? Non, là, c'est Dick, là. Ouais, et moi, c'est Hawk. Lui, c'est à négocier ça à 1700, les chefs. Ah, t'es un bon. Là, je te passe l'argent bien. Eh, j'ai un truc à vous proposer, les chefs. Vas-y, dis. Ouais, je bois, Bon, avec votre auto, voilà, mais ça pourrait peut-être être bien de voir votre présence. J'ai organisé mercredi un petit rassemblement d'auto, vous voyez, parking du PCSIA. Ouais. Ouais, j'ai organisé un petit rassemblement, il y aura peut-être un petit concours de la plus belle auto de la ville. Le truc souterrain, là? Ouais, c'est ça. Ok, ouais. Ouais, je vois. Donc, il y aura du monde, ils sont intéressés, il y aura des pubs avec le Bizet News. Et puis derrière... C'est à quelle heure? 22H00. 22h quoi? Je sais pas compter plus 10, je sais pas ça fait combien. Ça fait 10 justement. Ok, du coup ouais, y'aura ça avec des petites courses, tout ça. Si vous voulez venir, c'est chill un petit moment. Y'aura des flics ou pas pour les tabasser? Je peux t'en amener sans mon cher. S'il y a des flics, on est là. Ah, direct. Ouais. Hein. Vous êtes des chauds. Vous aimez la castagne? Ah oui, on aime beaucoup la castagne. Hein. Je te fais démonstration si tu veux. T'es chaud? Ah vraiment, recule un peu, recule un peu. Oh la vache, Regarde, chauffe. Dans la merde. Hop là, comme ça j'ai fait. Ma voiture. Imagine.
Je me suis niqué le pied par contre. Bah oui. Je me suis déclagué le pied là. Autant plus, tu fais ça en claquette bien. Ah, j'ai trop mal. Ça me merde, putain. Bon. Bah vas-y. Hein. Et dis-moi, les armes à feu, c'est comment là? Je peux me renseigner aussi. Pas des P7, hein. Non, je. Beretta. T'es plus Beretta, ouais. Ouais, s'il te plaît. Ouais, je peux essayer de me renseigner. Ouais, bon, ça coûte combien? Je t'avoue, avant, je pouvais en revendre et tout ça, mais ils ont arrêté un peu, tu vois. Ils passent un peu sur autre chose au niveau des contacts et tout. Ok. Et là, du coup. Tu travailles à Harmony Garage, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ok, ça marche. Bon, bah, nickel. Tu passes quand tu veux, ok? Vas-y, bah, si on a besoin de quelque chose, de toute façon, on t'appelle. Oh, vas-y. Vas-y, baby. Allez, merci beaucoup. La bise. Salut. Attends, je vais appeler Salvator. Je vais lui proposer un truc. Allô? Ouais, monsieur Salvator, ça va? Vous allez bien? C'est Dick, votre employé? Oui, Dick, ça va? Vous allez bien? Ouais, tranquille. Hey Salvatore, dis-moi, tu veux que je déglingue la concurrence pour toi ou pas? Genre les restaurants qui sont en ville et tout. Bah genre je leur mets un coup de pression quoi. Je leur demande de fermer ou je fracasse leur restaurant, comme ça ils sont obligés de fermer quelques jours. Comme ça nous on va déjà faire avec ils montrent. Pour l'instant dans l'immédiat c'est pas le problème principal, voyez. C'est quoi votre problème principal? Oh, on a d'autres problèmes avec d'autres types d'individus à régler plus prioritairement, voyez. Genre des autres restaurants? Non, rien à voir. Ah ouais? Des individus comment? Genre ils sont méchants? Ouais, c'est pas des mecs très gentils quoi. Alors on peut les déglinguer pour vous, comme ça vous avez pas à vous salir les mains. Entre deux pizzas, ça va vite hein. Ça se discute. Je vais en parler avec Tommy et je vous rappelle, je vous tiens au courant. Ouais, ça marche. Pour ce que vous m'avez proposé là et ce que je vous ai proposé manquer. Vas-y, ça marche. Merci, salut, ça va. Allez, merci, c'est dit. Eh, il va me rappeler si jamais il va en parler à ses frères et tout. Il m'a dit, ils ont d'autres individus qui voudraient qu'on s'occupe d'eux, toi. Je dis, bah tranquille, nous on le fera pour vous. Il m'a dit, bah je vais en parler et puis je vous tiens au courant. Eh, t'as pas lâché le masque, toi? Nous, on en a, nous, hein. Mais frère, bien sûr, j'ai un masque, t'es fou, toi, quoi. Tu vas fumer de là. On a pris le même. Ça va? Non, j'hésite à le prendre, mais. Moi, j'ai pris si, ça. J'ai pas avoir l'air crédible comme ça, tu vois. Bah, si, hein. Chauffe la momée. Ouais, t'avais pas de budget, toi. zéro budget. Non, les mecs. Faut que je me trouve une arme à feu, je me sens à poil là sans arme à feu. Bah ouais. Tu veux que c'est quoi? À part des pétoirs, tout le monde propose des pétoirs ici. Ah vas-y frère, je fais quoi avec un pétoir? Je vais oublier. Mais c'est sûr, j'ai l'impression que c'est à la mode. Salvatore qui m'appelle. Vas-y. Ouais, monsieur Salvatore. Ouais, monsieur Dick, allez voir, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes occupé? Là, non, on est pas du tout occupé là. Bah allez-y, revenez à la pizzeria là, okay. Dans la cave à vin. Ça marche, on arrive, à tout de suite. On va discuter. Allez. Ce restaurant, il nous a dit. Ouais, restaurant cave à vin, il m'a dit. Là, on va discuter business là. Ah, ça change. Ouais. On va pas discuter pizza là. C'est grâce à qui ça? Bah ouais, c'est moi, j'ai les bonnes idées, c'est tout. Ouais. Vous êtes là, on va vendre de la weed, Quoi? T'es cool, toi. C'est toi qui viens de vendre de la weed, vous enfoirez. Ouais, c'est vrai. Bonsoir, monsieur. Salut. Bah écoutez, je vous invite à me suivre. Ah, merci. Hawk, tu descends? Et il fait toujours le timide, lui. Viens, Hawk, on va se faire soulever. Ouais. Désolé. Ah, je rigole, c'est le black marocain. Ah, ok. Tiens-toi un carreau, vas-y. Toujours. Eh ouais, j'allais pas trop. Toujours je tiens un carreau, t'inquiète. Mais frère, t'es en claquette, d'où tu tiens un carreau? Ah. Tiens en claquette, ouais. Bah je me tiens en claquette alors. Putain, le Bermuda que t'as mis, t'as abusé. Royal, moi je suis détendu pour. Ah ouais. Salut. Vous avez déjà préparé le fromage et tout? Ouais, bon, par contre. Ah oui. On avait les gens juste avant. C'est le reste un peu de vin si vous voulez. Ah non, merci, moi je bois pas personnellement. Je reste toujours sobre et au contrôle de moi-même. Bon, permettez, je m'autorise une coupe. Allez, vas-y. Je vais ouvrir une bouteille. Qu'est-ce que vous venez de proposer à Salvatore là? Casser des gueules, faire de l'intimidation, et comme ça votre chiffre d'affaires il augmente. Parce que moi je vais pas vous mentir, on a fait le tour des restaurants, et y'a personne qui nous a accepté à part vous. Donc on vous doit bien ça quoi. Salir les mains quoi. On a envie de vous remercier quoi. Putain, t'as touché ma tête. Et non, du coup on va pas vous envoyer casser des vitrines, mais, parce qu'il y a un mais. Mais? C'est vrai que en ce moment les affaires vont pas. C'est pas le top quoi. Ouais, il faut des clients et même des employés. Vous avez dû le voir, vous avez pas beaucoup de collègues. Si, on en a beaucoup, mais on les voit surtout pas quoi. Ouais, bon voilà, vous m'avez compris. J'ai compris. Niveau client, c'est pas fou non plus. Je sais pas qui c'est qui me suit les clients. Je sais pas si c'est le 24-7. C'est le Burger Shot. C'est fils de chien. C'est sûr, c'est eux. À chaque fois, ils traînent en ville avec leur camion de merde. Déjà, je suis venu avec la voiture des pizzas au Burger Shot. Ils ont dit, toi, tu dégages. Direct. Je n'avais même pas le droit de me garer devant le parking. C'est grave. T'imagines? Tout ça pour la concurrence. Vous avez les réseaux sociaux? Oui. C'est bien, c'est important de nos jours.
Vous savez, l'image d'une entreprise, ça peut dégringoler très très vite. Si vous pouviez aller manger au Burger Shot et nous faire un petit scoop au scandale, quoi. Ouais, c'est une sacrée intoxication. Ouais. Infection, voilà, ouais. Des cafards, vous des souris, et après on va voir le weasel. J'allais vous le proposer. Ah, exactement. Ah oui, vous inquiétez pas. On a la suite dans les idées. Et en plus, le weasel, ça, ils vont adorer. Ah, moi j'ai bien goûté. Ah, vous l'avez aussi. On va taper Brahim et t'es comme ça. Venez, venez. Il a dit, c'est converti en prison, bah putain. Ouais. T'as pas lu tous les chapitres, hein? Bah là, c'est la liberté. C'est le sang des dieux. Bah écoutez, messieurs, on va vous laisser, on va aller travailler et on se prend de vite au courant. Voilà, je regarde ça d'un œil. D'un œil. Œil lointain. Allez, les gars, on travaille. Ok, bon, direct. Bon, les gars, vous voulez qu'on tabasse les mecs du burger ou. Bah écoute, en fait, il m'a donné un peu d'argent, il m'a dit ça, c'est comme ça, vous gaspillez pas votre argent pour acheter des menus. Ah ouais, il est sympa, bon. Ouais, mais eux, ils veulent pas qu'on tabasse. Mais justement, il m'a dit. Ouais. Ouais, ils veulent pas, mais après, nous, on est des exploits, hein. A toi de voir, hein. Ah, au pire, attention. Attention, le jeune, hein. Attends. Ah, 80. Attention, jeune homme, mets-toi sur le côté, hey, tu travailles au Burger Shot? Tu parles, toi? Tu travailles au Burger Shot ou quoi? Tu travailles au Burger Shot? Hein? T'as dit quoi? Elle est énervée, lui. Il a cagoule et tout. Oh, calasse criminelle, t'as. Cassé à ma gueule! Tu me cherches des noises? Mais non, je veux juste savoir si tu travailles au Burger Shot. Je travaille pas là-bas, mon ma gueule. Ah, ok. Vas-y, force. Force-toi, ouais. Il est énervé, lui. Après, il m'a dit force-toi. Putain, je voulais te tabasser, dommage. Pas de motif valable. Ah, y'a du monde, ah, bismillah. Ah, j'ai trop faim, hein. Ah, comment j'ai la dalle. Salam. Salut. Est-ce que vous pouvez nous servir les meilleurs? Les meilleurs burgers. Meilleurs. On crève la dalle. Avec des suppléments, tout, hein. On a trois menus, tu nous mets les meilleurs, s'il te plaît. Que sans problème. Vas-y, t'es un bon. Big burger ou fish. Je sais pas, on te fait confiance, tout. Les meilleurs. Ouais, tout. Ouais, vite, on a faim, là. On s'assoit, ça vous dérange pas? Oui, sans problème. Ok, on va s'asseoir, alors. Ah, wesh, ça va, croyant. Ah non, le sol il est glissant là. Vous nettoyez le sol et vous laissez de l'eau. Les mecs, je vais aux toilettes. Vas-y, Roya, vas-y. On m'a dit c'est le qualité ici. Hein. Oh, y'a un rat. Bah les couilles. Alors là, chauffe, Burger Shot. Faut le tuer. Faut le tuer. Allez, c'est quoi le rat là? Y'a un rat, Nage. Y'a le rat, Nage. Ça va aller très loin ça. T'inquiète même pas. Il est attends. Là, chauffe. Burger. Ah, Dubilla, vas-y, envoie. Tfou, Alec. Mais même la souris verte, elle est mise. Chauffe. Ah, frérot, voilà, j'allais venir prendre un menu fiche là. Sortez, y'a une souris, elle va vous bouffer. Quoi? Comment ça, y'a une souris? Attends, mais ils nous ont fermés, les cons. Mais allez, ils ont enfermé. Quoi? Oh non, ils nous ont fermé les chiens! En plus, ils nous ont. Appelle le Weasel, dis-leur de venir, on est enfermé! Weasel, venez tout de suite! Attends, y'a une poule! Chef, c'est quoi les jeunes, t'as ZB? Mon frère, tu. Attends, mais c'est un poulailler ici ou quoi? Tu commandes un chicken, moi, tu fasses une poule, voilà! T'es mal allé sur le comptoir! Vas-y, l'autre, je sais pas ce qu'il fout, l'autre, voilà, je lui demandais un menu fiche, va me chercher un menu fiche, toi, au moins, t'es dans la cuisine! Non, c'est grave! C'est pas Attends, on est enfermé ou je Ouais, ils nous ont enfermé! Attends, ils nous faire taire ou c'est comment? Ils veulent nous faire taire, c'est une exagure. On peut sortir. La porte par derrière, la cuisine, elle est ouverte. On a pas le badge, je crois. C'est pour les employés. Vous là, c'est honteux, là. Ah oui, c'est honteux. Et ça va faire une sale réputation, là. Oh, le mec, vous m'entendez? Oui, on vous attend, chier. Hey, ils nous ont enfermés avec des rats et des poules dégueulasses ici. Quoi? Mais je te jure, regarde, on arrive pas à sortir. Ils nous ont abandonnés. Ils sont barrés. Abandonnés là. Oui, c'est fermé. Écartez-vous. Cassez la vitre. Vas-y, ouvre. Aïe. Mais je te jure, moi je portais plainte, hein. Je vais faire un scoop au Weasel. On a des photos du rat et tout, hein. Ouais, c'est ouvert. Oh putain, allez-y. Il a géré. Dégoulasse. On va faire un scandale. Bon, les gars, on se barre. Scandale, jamais va j'ai vu ça. Scandale. Eh, faut pas manger ici, hein. Attends, je vais mettre mes photos sur Zoop. Il n'y a pas de game skill. On dirait. Mais oui. Ouais, ça va? Ça va, monsieur? C'est où? Oui, ma voiture, elle est éteinte. Attends, enlève tes lunettes. Ouais, on dirait pas Yazid. Il repose même pas en plus, ces fils de pute. Enlève tes lunettes, s'il te plaît. Tiens, enlevé mes lunettes. Bah tu m'en... Djiwoula. Woula. Enlève les lunettes. Pas birbir, moi. Attends, tu t'appelles Ben. C'est toi, Ben. Oui, c'est ça, ouais. Il est pas venu nous parler. Attends, enlève. Il est pas venu nous parler. C'est Hawk, ça va ou quoi? Mais non, mais c'est dit. Mais c'est dit que moi, Hawk, il est là. Mais moi, je t'ai sorti quand du Heps? Et moi, je suis sorti y a pas longtemps, moi. Comment ça, y'a pas longtemps, on dit qu'on t'avait transféré, je sais pas quoi là, pour mauvais comportement, tu tabassais des gens encore. Hey, ils m'ont mis dans une cellule et pour bon comportement, je suis sorti plus tôt. Tiwala.
mais t'es sorti quand du coup? Sorti il y a 2 mois. Wesh, 2 mois? Tu me dis que t'as sorti il y a pas longtemps? Putain, on a 2 mois pas sortir. Vas-y, t'as pour Kafki? Non, ma voiture elle est éteinte. Hein? Toi, t'as pas changé, regarde. Ça me fait plaisir en tout cas hein, de te rencontrer, enfin de te revoir, hein. Aucune émotion comme d'habitude. Hein. Quoi, laisse, tu vois pas que je suis heureux du malade? Ah, si, si, ouais, je vois. Ah, c'est un balai, quoi, hein. Bah, allez, je te présente, bah, du coup, Yazid, alias Ben. C'est quelqu'un, lui? Ouais, je l'ai vu au parloir une fois. En fait, il me dit rien du tout, non? Non, il était avec nous au Haps, On l'a rencontré au Haps. Ça va bon, ça va bon. Salam alaikum. Mais moi, j'avais mis chez les femmes, tu te rappelles? Chez les femmes? Khoya, tu dois te tromper, c'est pas moi. Mais non, pas chez les femmes. Non, c'est moi, il m'avait mis. Ah, toi? Ah frère, t'as fait ce que tu veux. Exprès, bah alors, tu deviens quoi? T'as pris du poids un peu hein? Là, mon pote, là, ouais, là, je... ouais, là, je cherche du travail. Là. Mais va va à la pizzeria, oui, cherche du taf. Eh, hey, tu dis que tu viens de notre part. Frère, je te mets l'adresse sur GPS, tu veux. Oh, mais oh, oui. Oh, fils de pute. Ma voiture, elle est... Ma voiture, elle est éteinte, là. Elle est éteinte? Ouais, ouais, essaye d'avancer, t'avanceras. Mais frère, tu l'as fumé surtout ta caisse. Voilà, viens, viens, monte avec nous. Attends, du coup, on t'appelle comment? Ben ou Yazid, là? Eh, tu m'appelles comme d'hab, Ben. Ben, vas-y. Je m'appelle Ben de toute façon. Putain, et même pas tu prends contact avec nous, bah les couilles. Eh, comment tu veux que je prenne contact avec vous? Ah, sur les réseaux, je sais pas. C'était Halam, c'est ça. Facebook, tout ça. Facebook? Ah ouais, Facebook. J'ai même plus mes logs, je sais même plus comment ça oh marche. Oh là là. T'as trouvé une meuf ou pas, Ben? Ah, j'en ai trouvé au moins 15, mon pote. Ouais, mais c'est ce que tu les as gardés? Ah non. Non, non. Ah ouais. Ça passe comme des filons, genre. Attends, je crois que c'est la bonne, mais c'est pas la bonne. Ouais, baby. Ouais, Dick. Dis-moi. Ouais, du coup, là, j'appelle un peu mes contacts à droite à gauche, là. Ouais. Mais de ce que j'ai compris, c'est chaud limite de m'en parler. Ils me disent, je dois pas trop t'en parler, c'est grave chaud. Attends, attends, les gars, dans la voiture, s'il vous plaît. Ouais. Et pourquoi c'est grave chaud? Bah, en mode, tu sais, moi, je t'ai dit, j'y touche pas trop. Déjà, ils veulent pas trop m'en parler. C'est qui, ces mecs? C'est les Yarlais. Les Yarlais? Ouais, d'ailleurs, ils m'ont rappelé, c'est des cousins à moi, c'est des tziganes de Londres ou je sais pas quoi. Des tziganes de Londres, ok. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, il va m'appeler s'il a un contact, au moins un numéro à faire passer. Mais sinon, grosse galère, il m'a dit, ça coûte cher. Mais je peux avoir leur contact ou pas? Au moins leur parler, ouais, tu vois. Bah, écoute, j'attends qu'il me rappelle et derrière, je lui demande s'il veut bien prendre contact avec toi, ok? Vas-y, t'es un bon. Merci, bébé. Vas-y, mon chef, vas-y. Allez, salut. Qu'est-ce qu'il y a des graves? C'est grave ou là? Bah apparemment c'est des Yardley, des tziganes de Londres qui gèrent le business des armes là. En vrai là je suis choqué de vous voir ici vraiment là. Mais moi je suis choqué frère, j'ai vu une teinture blonde, j'ai dit attends, ça me dit quelque chose hein. Ça se voit hein. Hey, attends, t'habites où? Tu dors où là? Eh Dick, je dors dans la caisse là, je l'ai acheté tout à l'heure. C'est moi ce qu'ils ont mis Burger Shot sur Zoop. Ils ont mis ZZZ, votre bad buzz ZZZ, Free Stuart Little. Oh, on va vraiment les fumer hein. Je crois qu'on va vraiment les fumer. Ça va fumer 10 mecs là. Ah, je crois qu'on va fumer des burgers là. Attends, c'est où ça? Quoi, ils ont dit quoi? Sur Zoop. ZZZ, votre bad buzz, hashtag free Stuart Little. Venez, on va au Weasel. Je vais être là, mais je parle. Mais ça va, j'ai raté un son. Ah, c'est bon. C'est lui, il veut. C'est les réflexes, c'est les réflexes. Arrête tout ça, les réflexes. Ils ont fermé ça, ils ont fermé les Burger Shot, voilà. Et la mission a été remportée avec plaisir. Ils ont fermé? Ouais, ils ont fermé. Tu veux que j'appelle le Weasel News? Bien sûr, on va y aller, ouais. Salut Louisa, ça va quoi? C'est quel grand corsaire, ah, la gamin? Non, ça va pas, là. On était au Burger Shot, on a été pris en otage. Il y a un rat, une poule qui se baladait dans les trucs, donc on voudrait qu'on fasse un article, quoi. Ah bah, à mon avis, la poule, c'est qu'elle a pas été encore cuite, hein. Bah ouais, mais bon, le rat, je pense pas qu'ils mettent ça dans le truc. Ouais, c'est par contre, je crois pas qu'il y ait de trucs chelou, dessus, ouais. On vous envoie la photo? Ouais, bah après, je peux pas vous confirmer que ça sera forcément possible. Faut déjà que je demande à mon patron, parce que si je mets ça et que c'est pas autorisé, je vais me faire péter la gueule. Mais pourquoi c'est pas autorisé, quand même? On est obligé de vous être. Ouais, bon, là, la population, bah, hein. Oui, mais le problème c'est qu'on a des trucs de... Je sais plus comment que ça s'appelle, parce que j'ai jamais lu le règlement, mais en gros si on met des trucs qui discriminent ou quoi un peu trop, ben on se pète la gueule. Ah, mais c'est comme c'est Donald Trump qui a mis ça en place, fake news et tout, tu vois. Faut pas mettre n'importe quoi. Ouais, bah, justement, là, c'est pas de fake news, parce que si vous informez pas les gens, c'est vous qui faites des fake news, alors. Bah, ouais, bah, ça, à tous les cas, je vais envoyer ça à mon patron pour être sûr. Si c'est bon, ça sera posté, et puis... Bah, tu demandes, t'envoies les photos maintenant, ou bien... Ouais. C'est malheureux. Ça c'est des protéines. T'es malheureux. Ah, en dessous de la table. Dégoulasse. Ah oui, c'est par contre, c'est pas fufu, hein. Ouais, de toute façon, t'as nos numéros, bah, tu nous rappelles alors, Dylan. Pas de soucis. Vas-y, bonne soirée, bisous. Bonne soirée, vous. Allez, gadja. Merci, monsieur. Tu vas pas me dire. Non, j'ai freiné au dernier moment. Ada, t'as touché l'auto là? Bah non, j'ai pas touché. Y'a rien, la grande. J'ai pas touché. Y'a fleuri, il m'a pas touché. Y'a une rainure, y'a une rainure là. Attends, vas-y, descends. Bah y'a pas de rainure.
Pas du tout. Ah, il m'a roulé dessus. Ah, mais non, il y a pas de rigueur. Ah là, faut payer la caution digitale. Ah là, il y a mon assurance qui va faire scandale. Ah ouais, rien à faire l'assurance, c'est ça. La voiture sous moi là. Ah, t'as des mains de fée, merci, baby. Bon. Maintenant, 100 dollars. 100 dollars, vas-y, tu me fais la facture. Oui, oui. Non, De numéro 2. Il veut en black en bref. Qui, moi? Non, pas toi. J'ai cru, moi. Tiens. Voilà, bien vu. Bah, tu me rappelles hein, pour les derniers, je sais pas quoi, s'il te plaît. Allô? Ouais, c'est Salvatore, ça va, vous allez bien? Oui, vous. Ça va, vous avez vu la photo que j'ai postée sur Zoop ou pas? Ah, j'ai pas regardé. Voilà, troisième ou quatrième. Oh, vous regardez, vous inquiétez pas. Et on est parti voir Louisel, en fait, on leur a passé aussi les photos qu'on a prises. Et le gars nous a dit en gros qu'il va contacter son patron pour voir s'il peut écrire, s'il a le droit d'écrire, je sais pas quoi. Pour informer, etc. Je dis bah les gars, si vous informez pas le public, bah, c'est... liberté d'expression. Bah, oui. Et surtout oui. Quand en fait le mec a tellement flippé dans le bunker shot qu'il est parti en courant parce qu'il y avait des rats qui se promenaient. Du coup bah il nous a enfermés. Donc il a. Ils ont enfermé dans le bunker shot. Ouais, ils nous ont enfermés. On était enfermés. Ouais. Qui vont se prendre, faut porter de vous, plainte. De vous. Et du coup je vous laisse regarder la photo et vous me direz. Ouais, je vais voir ça et je vous dis. Ouais. Ah, marche. Allez, monsieur. Merci à vous. Tipeee. J'arrive. Ah putain. Oh, aïe. Ah. Oh monsieur. T'as vu les slides, quoi. Eh oui. Oh putain. Dick. Ouais. Ah merde. Ah putain, ouais, je suis rentré dans le coffre. Il est au courant ou pas du tout? Non, il est juste au courant quand on a été innocenté, c'est tout. Ah, vous avez tout pris ce qu'il y a dans le coffre, hein. Ouais, ouais, j'ai 20 pochons là sur moi. Vas-y, donne-moi la moitié. T'as combien toi? J'ai tout mis dans le coffre, j'ai tout mis dans le coffre. 20 dans le coffre. Ben, tu veux vendre un peu? Ouais, vas-y. Attends, je regarde mon calepin si j'ai quelque chose à faire. Allez, c'est parti la vente. Allez, bon courage. Vas-y, vous appelez hein, si vous voyez une voiture de. Je crois qu'il y a un cyclé là à droite là. Il y a un carnaval qui se repart. C'est quoi, il y a une soirée, on l'a pas invité. Un petit pochon de quoi? Pochon de quoi? Des weed. Bonne soirée. Pour être des contrats, vous allez en soirée là. 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos. Hein? Non, 1 gramme, 1 gramme. 1 kilo, une tonne. Voilà. Eh, regarde-moi, tu me vois vraiment acheter unité par unité? Bah, je sais pas. Moi, j'achète en gros. En gros? Ah ouais, non. Bah, j'ai 10 potions si tu veux. Ouais, reviens me voir quand t'as 10 000, ok? 10 000? Ouais, bah, c'est plus que 1 quoi. Ouais, okay. Oui, c'est 10 000. Vas-y, en force les mecs, hein. 10 000, il est fou. Ouais, ça a tiré. Eh, ça a tiré, Ben, non? T'as entendu, ça fait ouais. Boum. Ils sont où? Attends, oh, Kito, ils sont où? Bah, justement, moi, tu m'as toujours dit, Ben, quand t'entends un coup de feu, tu cours dessus. Ah ouais, attends. Ouais, dis-moi. Ouais, t'es où? T'as entendu, ça a tiré? Des 4 kills, ouais, j'ai entendu un coup de feu, ça va de votre côté? Ouais, ça va, on a coté le magasin de masque. Ok. Mais tu sais pas d'où est venu le coup de feu? Bah, je pense c'est les mecs là qui étaient en train de se déguiser là. Ok. En fait, au moment où je suis arrivé, ça va tirer les flics là. Ah ouais, je sais, Vas-y, je suis en train de déraver assez vite. Il veut bien Aziz ou pas? Parce que j'ai oublié de l'appeler. Aziz, je sais pas. Tu m'embrouilles, toi. Arrête, calme-toi, reste sûr. Eh, Aziz, il a raccroché direct. Wesh, Ben. Fils d'épée, toi. Hein, tu crois que ta mère. Il t'a fait quoi? Derrière toi. Ah, tu enlèves les lunettes. Eh, Aziz, il a raccroché direct. Ah ouais, il a raccroché direct. Attends, je lui dis sa mère. Mais non! J'ai compris, je crois qu'il a été pris par les mecs en costard. Je remets mes lunettes, ils me les ont. Mais je crois qu'ils l'ont kidnappé, les mecs en costard. Ouais. Oh, vas-y, il répond pas, je crois qu'ils l'ont pris, les mecs en costard. Quoi? Et il répond pas, en fait, il raccroche direct. À mon avis, les mecs en costard, quand je suis arrivé que ça tirait, ils ont démarré en trombe, et je crois vas-y, il était avec eux. Okay, il a dû se faire braquer. Vas-y, j'arrive à la voiture. Moi, j'ai entendu tirer, ouais. Oh, après, pourquoi tout le monde m'embrouille, frère? Tout le monde m'embrouille depuis tout à l'heure, là. C'est vrai que ça la gueule. Mais il t'aime pas, je pense. Fucking pussy. Allez. Venez, on va le chercher. De toute façon, on a leur véhicule, hein. Les gars, faut qu'on retrouve Aziz. T'as une piste? Il me manque un truc déjà. Oh, aucune piste, t'as un véhicule, tu te rappelles, bord, des gens qui se disent rouge ouais, bordeaux. Ouais. Ils étaient rouge bordeaux. Ah, s'ils l'ont pris, et qu'ils étaient en tenue costard, et qu'ils mettent tous des masques de smiley, ça me fait penser à un jeu que je jouais quand j'étais plus jeune. Ouais, Payday. Ouais, Payday. Moi, je voulais pas le dire, tu vois, mais bon. Payday. Ça reste un jeu, tu vois. Oh, on regarde devant les flics, hein. Et deux. Vas-y. Oh, ils sont là. Et bah voilà. J'avais raison. Oh les fils de pute. Viens, on va derrière. Monte. En fait, je voulais passer devant juste en marchant pour jeter un petit coup d'œil. Mais non, ils vont tirer dessus. Ouais, j'avoue. On est bleu, mais quand même. Pourquoi pas. Et voilà, c'est eux. Vas-y, on va attendre qu'ils sortent Aziz. Tu m'as manqué, Dick, vraiment. Ça se voit. Je le sens dans ta voix. Et ému. Oui, mais du fou malade, là, vraiment. Pleure pas, hein. Tu manges quoi, là, depuis tout à l'heure? Là, je suis jaloux. Des crackers japonais. C'est bon, c'est ou pas? De fou. Là, regarde. Je les reconnais, putain. Les chiens. Ils ont galère à avoir des armes, mais ils font des braquages avec. J'espère qu'il va faire copain avec eux. Ah bon. Après, s'ils ont des armes. Bonsoir, messieurs.
Oh putain, le flic casse-couille. Mais je reconnais cette voix de merde. Oh non. On a pas eu assez de la dernière fois. Ça va ou quoi, Ben Bourek? Putain de merde. Ben Bourek. Ils ont pris, ils ont pris Aziz. Flic, s'il te plaît, okay. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi? Ils ont pris Aziz. Pour ça que vous êtes là. Bah oui, c'est pour ça qu'on est là. Et lui, c'est qui? C'est le troisième, lui? C'est Ben. Non, c'est le quatrième. Ben Barek? Non, il s'appelle Ben. Juste Ben. Mais faut jamais lui demander d'enlever ses lunettes. Bref, tes lunettes, pour moi. Non. Ah, ok, d'accord. Tu vas regretter. T'es fou, quoi? Bon, j'ai pas le temps, mais plus tard, je te demanderai de t'enlever tes lunettes, d'accord, Ben? Cours. Eh, t'es blond? Ben, je suis blond. Eh, ouais, ça fait un. La belle paire, hein. T'as parlé, toi? C'est qui ces mecs? Je t'en pose des pute. Bah oui, ils m'ont pris à Aziz. Je sais rien, moi, c'est qui? tu t'es toujours pas excusé pour la patate que tu m'as mis, d'accord? Ça m'a fait mal. Mais quelle patate? Au poste. Bah non, y'avait pas de caméra, je vois pas de quoi tu parles. Ouais, mais y'avait pas de caméra, mais entre toi et moi, on sait très bien que tu m'as mis une patate, ok? Ouais, c'est vrai, je t'ai couché, ouais. Voilà. Donc, après, t'arrives pas en peut, tu peux t'excuser comme ça, on repart sur de bons termes. Tu te fous de ma gueule, vous avez tabassé Aziz, on a voulu porter plainte, l'avocat il a dit non, c'est mort. Mais j'ai pas tabassé Aziz. Oui, enfin bref, tes collègues ils ont tabassé. Genre, la plainte elle est pas recevable. Oui, alors. Comme ça, oui, alors, vous l'avez tabassé au commissariat? Ça concerne eux, pas moi. Moi, je l'ai pas tabassé. Ouais, mais bon, tu les couvres. Comme ça, je les couvre. T'es d'accord avec ça? Ça te passe pas de couverture. Bon, d'accord, celle-là, elle était nulle. Mais je les couvre pas, ok? Et bah, reçois la plainte. Mais comment tu veux que j'en ressors leur plainte? Bah, faut que tu la valides, faut que tu la ressortes, parce que là, apparemment, elle est partie à la poubelle. Bah, ouais, elle est partie à la poubelle. Bah, super, travail de merde alors. Je t'ai dit. Bah, donc, t'es corrompu avec eux. Bah, tu sais quoi? Oui, je suis corrompu alors. T'as un problème? Bah non, de toute façon, ça, plus rien de méthode avec les flics. Hein. Ouais, c'est ça. Tu cours par hasard zéro, toi et moi? Appelle. Trouve-moi des Beretta. Wait. C'est quoi? Tu fais ma gueule? Bah non, j'ai besoin de m'équiper. Bah non, je vais pas trouver des Beretta. Je viens de m'équiper, frère. Mais je vais pas te trouver des Beretta. Je peux pas te trouver de Beretta. Bah frère, je passe le PPA. Tu me trouves un Beretta après? Non, pas de PPA. Pourquoi? On a eu l'ordre du juge, pas de PPA. Pas de PPA pour vous, vous avez des casiers. Parfait, merci. Ah d'accord. Pas de PPA. Les plaintes, on les reçoit pas. Oui. T'as bien entendu. Oh, il a tiré. Il est énervé. Je suis il est con, quoi. Pourquoi il tire? Il tire sur le mur. Ça s'appelle des braqueurs amateurs, tu vois. Monsieur. Bon, allez, moi, je vous laisse. Y'a pas trop de voyeurisme. Hein. Allez, dégage. Oui. Faire ton travail de flic, là. Comment ça, dégage? T'as bien compris. Mais tu vas faire quoi? Je vais rien faire. Non, je vais rien faire. C'est bon, la dernière fois, je me dis. Bon, allez, ciao. Toi, tu t'en bats les couilles. Tu fais comme ça devant les flics, ouais, une fois des Beretta, etc. Ouais, frère, je m'en bats les couilles. Il peut changer. Il ressort pas les plaintes, tranquille. On peut dire ce qu'on veut dans ce cas-là. Bon, c'est pour ça qu'il est. Oh, allez, c'est bon, allez, c'est sorti. Venez. Roya, binef, binef. Quoi, c'est qui ces mecs? Roya, je connais pas, ils m'ont pris, d'accord. Otage. Je leur ai expliqué mes anecdotes et tout. Ils disent, ah oui, t'es un ancien braqueur, les histoires. Ils m'ont dit quoi? Vas-y, on va te tester, tu vas faire braquage. J'ai braqué pour eux. Attends, j'ai aidé à faire l'argent. Ils m'ont dit, vas-y, joue otage, etc. On te fait confiance. Ils m'ont donné 5 000 $ et une perceuse. Mais frère, mais d'accord, mais c'est bien, mais. T'as un contact ou pas? Ouais. Non, ils ont pas voulu. C'est qui? C'est quel nom? Rien du tout. Et par contre, il y en a un, il m'a dit, est-ce qu'en prison, t'as pas connu un Guzman? Et j'ai dit, non, ouais, une personne qui s'appelle Guzman. J'ai pas connu, il m'a dit. Ça fait mexicain, ça un peu. Ouais, c'était des latinos, hein. Mais ils m'ont rien dit, pas de quoi. J'ai essayé d'avoir contact et ils ont dit non. Putain, c'est un mec pour la mienne. J'ai connu j'ai entendu parler, je l'ai pas connu, j'ai entendu parler d'un Guzman. Un vieux comme ça, un sheriff. J'ai pas connu, quoi. Mais tu vois, c'est pas un mec avec qui j'ai traîné, quoi. Ouais. C'est fils de pêche, j'étais otage, les policiers. J'étais vers eux, j'ai dit ah là là, ils sont dangereux. Le capitaine, c'est ce qu'il m'a fait. Il m'a dit, toi, viens là, il m'a craché dessus. Qui? Quoi? Le capitaine, la pleureuse. Le capitaine de la police? Ouais, la pleureuse là. Il t'a craché dessus? Il m'a craché dessus, il m'a dit toi viens là et il a craché sur moi. Oui, les policiers, ces fils de pute, je vais tous les défoncer. Attends, on a pas d'armes. Attends, la patience. Eh, on a gagné. Pourquoi t'as craché dessus? Pourquoi? Parce qu'il m'a reconnu par rapport à l'église. Par rapport à quoi? Par rapport à l'église. Ah oui, l'église. Ah oui. Et en plus de ça, je lui dis ah, elle est là la pleureuse. Il m'a dit toi viens là avec moi. Ouais, parce que non, mais tu vois, Aziz, fallait gratter un contact et si tu connais un, fallait dire oui. T'as rien à perdre! C'est ça, après moi j'ai dit oui, j'ai entendu, mais après il m'a dit les contacts c'est mort, il m'a dit pote, il veut pas. J'ai essayé, après là on a une perceuse de 5 000 $. Mais on va faire quoi avec ça? Ouais, ça va et toi? Incroyable, les perceuses c'est pour les braquages ça, je l'ai fait moi. Et j'ai fait que ça pour braquer? Ok. Moi aussi, c'est la personne qui est marmée là toute demain parce que je pense que c'est demain. Il y a les nouveaux sécurités, tu vois, c'est pas les braquages à l'ancienne. Bah si, c'est nouveau, il y a des sécurités, les casiers ils ont des trucs bizarres. Il faut la perceuse obligatoire. Ouais. Mais pour attendre les casiers, il faut. Eh bon, casino. Il m'a parlé. Il m'a dit en fait maintenant il faut une carte magnétique pour faire les braquages. Et je lui dis c'était pas. Ouais, il m'a dit c'était pas comme ça, Yassine. Et on trouve ça où? Ah, j'ai pas demandé. Mais frère, tu poses pas les bonnes questions. Ouais. Wesh. Frère, les armes sont sur moi, ça fait peur. Mais non, mais frère, ils t'ont pris avec eux. 5 000 $ et une perceuse. Ouais.
Mais frère, on sait pas utiliser une perceuse. Moi aussi. J'ai l'expérience. Ah oui, bah oui, toi aussi, ouais. J'ai l'expérience. Tu appuies sur le bouton et c'est bon. Il m'a dit, ça se voit, t'as l'expérience, tu fais ça très bien. Et c'est toi qui a percé. C'est un ancien braqueur. C'est un ancien braqueur. C'est moi, il m'a dit, vas-y. Donc, t'es pas innocent, c'est vraiment toi qui a braqué. Ouais, croyez, ils m'ont parlé d'un autre truc. Quoi? Un truc, ça s'appelle le Darknet. J'ai demandé comment on fait, ils m'ont rien dit, ils ont pas répondu parce que ça tirait dehors. T'as entendu, Hawk? Moi, ça a pas changé. Quoi? Le Darknet, je sais pas quoi. Ouais. Je sais pas, à l'époque c'était Darkseid qu'on connaissait, pas Darknet. C'est quoi ça Darknet, Aziz? Tu te rappelles avec Black Market, Darknet moi, je sais pas, j'ai demandé, mais il y avait Aziz, il te donne une info, après il te dit, je sais pas. Non, je sais pas. Écoute. Ibrak et Nana, et comment? Regarde, ils allaient m'en parler, mais ils connaissent, ouais, je sais pas. Et pourquoi t'as pas pris un numéro? Ils m'ont pas donné, ils veulent pas. Ouais, mais quand même, tu les as aidés à ouvrir les coffres. Par contre, quand j'ai percé, je me souviens, il m'a dit quoi? Il m'a dit, par contre, il y a peut-être moyen, on va te recontacter. Ils ont demandé mon nom et mon prénom. Mais ils ont pas ton numéro, frère. Ils ont pas de main ou quoi? Bah, je sais pas, Roya, s'ils arrivent par rapport à mon nom et mon prénom, on verra. Mais je vais pas te mentir, comment ça m'a fait plaisir de repercer. Ça faisait longtemps, les sensations et tout. Ils avaient quoi comme arme? Birita. Putain, les chiens. Attends, et à la place, on a entendu un coup de feu, il s'est passé quoi? C'est eux qui ont tiré, non? C'est eux, ils ont tiré sur moi pour me dire de m'arrêter. Voilà, j'en étais sûr. Ben, ça va ou quoi? Tu m'as l'air pensif un peu. Oui, toujours. Je sais pas, tu parles pas trop, t'es pensif. Et l'on dort, mais quoi, hein? Si, toujours, c'est comme ça. Non, là, il est à forme, là, il est à fond la forme, là. J'ai pris un verre de jus d'orange ce matin là. Roya, après je vais te faire un cocktail jus d'orange, le gdran avec le pomplemousse, t'inquiète même pas. Viens. Non, c'est mort, j'ai mal au poignet, Roya. Ah, je te jure, vas-y, viens. C'est champion de prison. Vas-y. Attends, comment encore qu'il faut faire? Ça va les marins? Tu pousses. Donne-moi la main, donne-moi les doigts. Ça va les gars? C'est serré. Ah, on est venu voir. Et si, vas-y, va à la fin. J'ai des crampes. Il parle pas, il dit qu'il a pas envie de parler. Ah, ils sont sûrs là, ça se voit. Mais j'ai le temps d'avoir 8 enfants qui les auront pas fini. Je fais leurs dents, t'as vu quand ils s'accélèrent comme ça, ils sourient, tu vois. Bien joué. Putain, j'ai plus de souffle. Tu vas les souffler. Vas-y, Ben, monte dans ton bras, toi. Vas-y, essaye. Impossible, tu gagnes. Hein. Vas-y. C'est possible, ça fait longtemps que j'y ai pas fait les bras de fer. Il était endormi, regarde, ça va quoi? C'est Abelando? Ben, je sais plus, c'est Abelando. Non, c'est pas Abelando. Ah, ok. C'est Ectol. Ça va quoi les gars? C'est quoi ça? Ah merde. Bien et tout. Ah ça va, on voudrait acheter des pochons s'il y a moyen. Si bien sûr, ouais, vous voulez combien? Attends, je vais voir avec les gars. Ils finissent leur truc là. Vas-y. Ouais Ben. Wesh, c'est quoi ça? Bon, attends, donc Aziz, on en prend combien? C'est combien de pochons encore à Bruno? 70. Bah il faut voir combien on a dans le coffre, hein, c'est pas de mentir, on a pas fait les comptes encore. Ok, moi j'ai 2K les gars, vous avez 1500 ou pas? Moi j'ai 500 sur moi. Je viens de te donner 600. Ah, ouais, j'ai mes 500 moi. Ouais. Il vient d'avoir sorti avec 5000. Ah bah c'est bon, vas-y, je te paye. Combien? Une centaine c'est combien? Regarde, c'est à toi. Centaine c'est 7100. Eh les gars, dites-nous, vous connaissez les Yardley ou pas? Si j'en ai déjà entendu parler, pourquoi? Je sais pas, apparemment parce que nous, je te dis, on essaie de s'équiper. Genre on veut des armes à feu mais pas des P7, tu vois, on veut des Beretta. Et genre on a des contacts qui nous ont dit qu'apparemment les Yardley ils font ça. Mais on n'arrive pas à avoir un de leurs numéros au moins pour les voir, les approcher quoi, tu vois, si. Pour gratter un Beretta ou quoi. Bah moi je vais te dire, non j'ai pas de numéro de 2 ni rien. Okay. Je suis pas un marin, je suis un habitant. Ok, ça marche. Ok, nickel. Fini un peu, hein, s'il faut. Vas-y, merci les gars. Merci beaucoup. Merci à vous les gars. Vous comptez bon. En verre, regarde, ouais, je vais lui donner mon t-shirt. T'es prêt pour le clip là? Alors. Vas-y les gars, force. Merci les gars. Vas-y, adios, sinon. Ils connaissent pas les Yardley, hein. Ouais. Numéro de Yardley, ça va arriver, il arrive à la pizzeria, il va nous le donner. Par contre, il m'a dit pourquoi tu le fais, je dis c'est par rapport à une vente de voiture. Mais non frère, tu dis par rapport aux armes. Ah merde. Et frère, ça donne pas trop, croyant. Elle lui fait tout l'envers lui. Bah je suis pas moi, j'ai... Mais vas-y, lolo. Ah non, toujours discret, c'est la technique berbère. Mais frère, mais discret de quoi? On est parti, on a saboté le burger shot, ça y est, il est avec nous, patron. Ah bah c'est bon alors, c'est bon. C'est vraiment soir. Mais ça commencera. Vous avez mis de la sauce tomate, ça se retrouve aux vêtements là. Ah ouais, j'avoue. Ouais, faut nous laisser faire les pizzas. Eh ouais, bah, c'est nous qui travaillons ici. C'est-à-dire que bon, le collègue il est monté dans l'auto, il a calé dans la voiture là, bon. Et il faut savoir qu'il y a sauce tomate. Il s'est tapé le mur quoi, bref. Bah nous, c'est Aziz, il s'est fait prendre en otage par des mecs et tout. Ah ouais, j'étais traumatisé. Flicka et tout. Ah ouais. Du coup, pour me réconcilier, est-ce qu'il y a moyen d'avoir une augmentation? Quoi?
Mais non, je rigole. Ah, je rigole, je rigole. Non, en fait, on cherchait les... Les Yardley là, parce qu'apparemment il y a un gars, il m'a dit il y a que qui vendent des armes en ville. Nous on voudrait des petits trucs quoi, des Beretta, et comme on peut pas avoir le PPA, bah les flics on est... Qui vendent des armes en ville, qui c'est qui vous a dit ça? Je sais pas, c'est un gitan. Un gitan? Ouais, un gitan ouais. Ça s'appellerait pas Dylan? Non. Baby. Le petit baby. Et du coup là ils travaillent pour avoir leur numéro, mais je sais pas, les mecs ils font trop leur... Pour ça, apparemment il y a que les Yardley qui vendent des armes en ville. Attendez, mais c'est qui le monsieur aussi à table? Ah non, ça c'est un collègue à nous. T'inquiète pas, c'est... Un mec il était avec nous en prison. Il est sorti il y a 2 mois, ce con. Et on l'a rencontré par hasard en ville, là, il est sorti, il nous avait pas prévenu. T'es un pote. Il s'appelle Ben. Et comment il se prénomme? Ben. Il s'appelle Ben, vas-y, parle. Mais il a deux tensions, faut pas... Ah ouais, ouais. Vraiment. Sa mère, elle l'a accouché au ralenti, c'est pour ça. Ah oui, il est, oui. En fois 0,25. Ah ouais. Ça crie au ralenti. Mais en gros, nous, avant de rentrer en prison, en gros, on avait PPA, on avait Beretta, etc. On est sortis, ils nous ont dit bah c'est mort pour vous le PPA, parce qu'apparemment on aurait tiré sur des flics. Et du coup le seul truc qu'on peut avoir là c'est des P7, mais vas-y des P7 qui sont à faire avec ça quoi. On est même pas trop sérieux par des mouches avec des P7. Du coup on charge juste des Beretta pour se défendre au cas où ça tourne au vinaigre, et sauf que c'est une galère monumentale. En vrai, est-ce qu'on n'irait pas discuter derrière plutôt, parce que bon c'est le mec des clients riches. Ouais, tranquille. Ouais, c'est mieux, ouais. Quelqu'un a faim, vous avez besoin d'un truc à bouffer? Moi j'ai faim. Ah sinon vous faites, t'as faim? Tiens vas-y, tu veux pas lui faire une pizza? Ouais, ça, ouais, je fais une pizza si tu veux Ben. Merci. Tu veux quoi, une margarita? Bon, du coup... Qui remplit bien le vôtre. On vous a dit qu'il y avait que les Yardley qui vendaient des armes, quoi. Ouais, ouais, c'est ce qu'on nous a dit, ouais. Qui c'est que vous avez dit ça? Ah, ce qui paraît, le gitan, tu vois. Ah, ça doit être pour ça, c'est les origines, ça. C'est les origines gitanes, les Yardley, c'est pour ça. Ah oui, il m'a dit, voilà, c'est des tziganes de Londres. C'est ça. C'est ce qu'il m'a dit. J'ai pas compris. Mais du coup, ouais, tziganes de Londres, etc. Bah, et puis c'est compliqué, quoi. Ouais. C'est-à-dire que actuellement, on subit une pénurie d'armes comme jamais vu auparavant. J'étais sûr que vous étiez la mafia, comme dans Les Sopranos. Qui c'est qui vous a dit ça là? Attendez. Ma chérie. Vous a signé quoi? Bah, il a dit, on faisait des pénuries d'armes. Je suis armurier. Oh ah, tu s'expliques, eh ouais. Putain. Sinon, il y avait ça comme option, c'est vrai, il y avait ça comme option. Mais en fait, avec la cigarette, ça fait grave mafia, c'est pour ça. Ça se voit, c'est Apache et nous. J'ai le chapeau. J'ai mon PPA, voilà, je peux vous délivrer des armes dans les différentes armureries, parce que voilà. Ah mais c'est grave stylé ça. Il y a une pénurie d'armes à feu en ce moment, ouais. Et pour des Beretta, je pense que vous voulez chercher bien loin dans votre fion. Sérieux? Faudra se lever tôt. Ouais. Faut que je vois, peut-être que... Mais normalement avec de l'argent c'est pas compliqué non? On a peut-être tout dans le pays. Peut-être qu'à l'armurerie on peut vous débloquer, je sais pas moi, des Desert Eagle peut-être. Quoi? Beretta non, mais des Desert Eagle oui. Ouais. Là tu parles ma langue. Là tu régales là. Là tu parles le berbère sale. Je vous rassure tout de suite, c'est pas une grande quantité pour l'instant. Quelques exemplaires, ouais. 1, 2, 3 maximum. Dites-moi, votre collègue, il est de la sécurité? Ouais, non, il travaille pour sa propre sécurité lui. Il est chaud. Je sais pas si Royette... Ah oui, non, il est... Ça m'a fait penser quoi. Non, il est connecté avec l'au-delà, lui. Ah oui. C'est factice, hein, vous inquiétez pas. Mais c'est très très compliqué, même nous, aux armureries, on a du mal à se fournir. Rien que des P7, on a énormément de mal à se fournir. Et comment ça se fait tout ça? Bah, nous, les P7, on peut en avoir, mais bon, c'est éclaté, quoi. Ah, vous savez, il y a eu des pénuries de glace. De la part du LSPD, et une énorme. Quand même, pour que toute la ville soit affectée. En fait, c'est quoi là? C'est que la police a très bien prévu son coup parce que ils ont tapé fort, vite. Et sur tout le monde en même temps. Ouais, ils ont pris tout le monde au dépourvu, quoi. C'est-à-dire que nous, au niveau des armureries, on a jamais connu une demande aussi forte au niveau des armes, et j'imagine que c'est pareil au marché noir. Ouais, la police, elle a tapé dans les armureries. Non, c'est pas ça. Elle a réquisitionné toutes les armes qu'elle pouvait sur le marché. Forcément, ils ont fait des descentes. La demande a explosé. Tu vois, Ben, par exemple, Ben, à titre de comparaison, c'est un P7, quoi. Il sera jamais Beretta dans sa vie. Ah, d'accord. Il est lent, mais il est mignon, quoi. Il est petit. Et du coup, voilà. Il y a beaucoup plus de demandes que d'offres, et c'est pour ça que c'est très compliqué, et c'est pour ça également que les prix sont flambés. Enfoiré! Hey, Roya, doucement. Désolé, merde. Fils d'épée. Ah bah il est solide par contre pour être là. Ah, c'est pas professionnel, ouais, c'est Roya. Ben, c'est qui pour rien. Ah bah je fais mal, hein. Ah, c'est pas cool. Il a des problèmes psychologiques, ça lui arrive. Incroyable, doucement. Il est lent, mais en tout cas, quand il tape, il fait Il est rapide. Ah, il fait mal. Non, mais il y avait des mouches de partout. Ouais, mais préviens quand il y a des mouches, croyant. Incroyable, il faut vraiment propre, des bondages là, par contre. Hein. Oh, tu l'as raconté, Bernard, ou pas? Oui, bah vous avez vu Salvatore? Il est où, Salvatore? Oui, j'ai vu. Alors, on a ramené des sous, un gros rat sa mère, on l'a foutu dans les cuisines. Ouais, j'ai vu la photo. Pareil pour la poule. T'as vu quand tu demandes l'émission, c'est facile ça. Hein oui. Bon, Aziz, on va à l'hôpital. Bismillah, parce que j'ai vraiment besoin là. Une bonne fin de soirée.
Merci également, merci. Messieurs, bon courage, hein. Ouais, merci pour les infos. Pas de bêtises merci à la pizzeria beaucoup. Quand on est pas là. Non, oh, jamais, jamais. Professionnel, c'est, important. C'est notre deuxième maison. Mais mec, je crois que j'ai compris un truc sur les gens qu'on vient de voir, là. Quoi? T'as compris quoi? Je crois que tout est clair dans ma tête. Vas-y, éclaire-nous. Eh, c'est quoi? C'est des flics. Ah, vous m'avez dit qu'il était spécial, mais je pensais pas à ce point. Ah putain, le ouais. Mais attends, attends, ça se trouve, il dit vrai, hein, qu'est-ce qu'on en sait? En vrai, de vrai, ça se trouve, c'est des flics infiltrés, hein. C'est quoi, c'est Lauriette qui t'a dit? Bah ouais, à mon avis, c'est Lauriette. Je connais que t'es c'est Lauriette qui me dit. Quoi, t'as dit ça? L'hôpital, c'est pas là, hein. Salam alaikum, madame, c'est moi, madame. Il m'a à droite, il m'a cassé ma gueule. Il faut vraiment prendre soin de moi, s'il vous plaît. D'accord, venez avec moi. Merci beaucoup. Elle est jolie derrière. Hein. Prends le numéro. Ouais, pose des bonnes questions. Ah, tu vas mieux. Moi, je suis américain. T'as pris son numéro, comment t'as dit ou pas? Ah, tu verras par toi-même. Allez, on s'appelle ma belle. Allez, au revoir. Ouais, on s'appelle. À bientôt. Madame, avec un bois et saucisses, pour ça, ma belle. Toi. Ah, t'inquiète pas, Roya. Comment ça, ma belle? Après, Roya, c'est ma vie privée. Hein. Ouais, je suis privé. Ah, d'accord, maintenant il y a la vie privée. Roya, j'ai son numéro, c'est tout. Dis-le. Je vous ai dit, les gars, moi je suis beau. Dis-le. Bah, viens, on va la voir, tu vas voir. Non, dis-le. Non, même pas, j'étais pas. Eh, voilà, t'as pas son numéro. Ah, je jeûne aujourd'hui. T'as pris le numéro, ouais, t'as pris. Il a pris le numéro du LSAG, il a dit j'ai son numéro. C'est pas vrai. C'est sûr et certain. Voilà, le numéro du central, il a dit son numéro. Voilà, elle m'a donné son numéro, c'est bon. Vas-y. Dis quoi? Voilà, elle m'a donné son numéro. Mais est-ce que tu l'as noté? Tête de ta mère. Sur la tête, elle m'a dit 912, c'est son numéro. Voilà, LSHD, voilà. Quoi? Comment ça? Attends. Ah, c'est le numéro de LSHD? Bah oui, bah t'as déjà vu le numéro avec trois chiffres. Attends, quand je vais la revoir, elle. Bah, on peut en faire demi-tour si tu veux. Non, c'est bon, vas-y, roule, c'est pas grave, non, t'inquiète. Je sais pas, comme tu veux.